Derby aux Costières entre Nîmes 15e et Arles-Avignon 9e. Les Nîmois qui doivent évoluer sans Paquez suspendu. Poulain, Coura et Corrèze sont tous blessés. En face pour Arles-Avignon, le seul absent, c'est Chaouki Ben Saada, l'international tunisien, et lui aussi blessé. Arles-Avignon qui fait un bon début de championnat, mais qui reste sur 3 défaites à l'extérieur. Ils ont gagné tous leurs matchs à la maison, mais ont perdu tous leurs matchs loin de leur base. Aucun match nul depuis le début de la saison pour les joueurs de Franck Dumas. Arles-Avignon qui domine dans ce début de partie, qui se procure les deux premières occasions. La troisième sera peut-être la bonne avec cette reprise signée Livio Nabab. Premier but de la saison pour l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, arrivé à la toute fin du mercato estival. Le premier but marqué sous ses nouvelles couleurs. Arles-Avignon mène 1-0 à la 23e minute. Nîmes essaye de revenir, de se réveiller dans ce match débuté tout doucement. Ça va mieux avec le premier but de la saison de Mame Ousmane Sissoko. 4 minutes après l'ouverture du score d'Arles-Avignon, Nîmes revient à 1 partout. Mais Arles-Avignon continue à attaquer avec ce nouveau coup franc extrêmement dangereux. Le bon visage des visiteurs qui continuent à se montrer sous leur meilleur jour. À la mi-temps, un but partout. Nîmes a des difficultés, c'est un début de saison très moyen pour les Nîmois. Ils avaient fait une très bonne saison 2012-2013. C'est moins bien depuis le début de cette nouvelle saison. Une victoire seulement sur les 6 premières journées. Il faut prendre l'avantage. Mais Arles-Avignon continue à se montrer dangereux avec un Livio Nabab. Excellent. 51e minute, il s'offre un doublé. Voilà comment bien débuter sous ses nouvelles couleurs. 2 buts à 1 pour Arles-Avignon qui reprend l'avantage. Encore une possibilité, peut-être le but de la victoire définitive. S'il y a un troisième but, ça n'est pas le cas. Nîmes doit encore s'arracher pour obtenir au moins le point du match nul. Mais ça passe largement à côté. Manque de réalisme certes pour les Nîmois, mais également très peu d'occasions créées. Une partie décevante devant leur public pour les Crocos, qui pourtant ont là l'opportunité de revenir. Mais le geste technique est raté, ça passe à côté du poteau. Arles-Avignon encore à l'initiative, c'est sauvé de la tête. Nouvelle possibilité de frappe de loin, c'est sur le poteau, c'était le but de la victoire certaine pour Arles-Avignon. Nîmes s'en sort très bien, mais les Nîmois ne parviennent pas à revenir. Superbe succès à l'extérieur pour Arles-Avignon, le premier de la saison. Une victoire 2-1 sur la pelouse de Nîmes.